Alors Balou, c'est un mâle pélican blanc qui est âgé de 2 ans maintenant. Donc il est né ici en 2010, il a été élevé à la nurserie et maintenant il participe au spectacle tous les jours. Balou, un bébé. Nous allons rentrer donc à la nurserie du parc où nous élevons les jeunes oiseaux essentiellement pour le spectacle. Donc là vous êtes dans la partie nurserie qui est visible du public, où nous présentons donc les jeunes oiseaux qui sont âgés à peu près d'une semaine. Donc là ici vous avez déjà 2 petits vanneaux soldats qui ont 15 jours maintenant. Et nous allons aller donc dans la partie qui est non visible du public, où il y a toute la partie technique, préparation, cuisine, incubation des œufs. Et là où nous démarrons donc les jeunes dans leur premier jour. Donc là je vais vous montrer un œuf de pélican, ça fait à peu près une semaine qu'il est en incubation. Donc dans un peu plus de 30 jours, on aura un petit poussin qui va peser à peu près 100 grammes et qui sera entièrement rose. Et là on va vous montrer donc déjà des pélicans qui sont beaucoup plus âgés. Et eux en revanche, en grandissant, un pélican devient noir pour avoir ensuite un plumage brun. Et lorsqu'il aura l'âge adulte, il sera entièrement blanc rosé. Ça, vous le verrez tout à l'heure au niveau du spectacle. Donc là, je vais vous présenter un des jeunes pélicans de cette année, pélican blanc. Cet oiseau est né fin mars. Donc à l'heure actuelle, ça fait un mois et demi. Il faut savoir que c'est un oiseau, lorsqu'il a éclos, pesait 150 grammes. Aujourd'hui, il en pèse presque 3 kilos. C'est vraiment des oiseaux qui sont très familiers. On leur donne 3 fois par jour à manger. Les gardons sont coupés en morceaux pour petit à petit arriver à des poissons entiers. Au niveau de la nurserie, il sera gardé pendant à peu près 3 mois. Et ensuite, c'est l'équipe du spectacle qui va le récupérer pour pouvoir continuer l'imprégnation et l'entraîner à voler. Donc on vient de quitter la nurserie et on arrive donc aux coulisses du spectacle où le jeune pélican sera transféré d'ici quelques mois et sera pris en charge par toute l'équipe du spectacle, entre autres Didier que nous allons rencontrer, pour pouvoir imprégner ce jeune oiseau pour son futur prochain vol dans le spectacle de l'an prochain. Salut Didier, ça va? Allez Balou, hop, allez bébé. Il passe... Les premiers mois de leur vie à la nurserie, tant qu'ils ne sont pas sevrés, vu qu'ils sont nourris avec de la bouillie. Et après, environ 3 mois, nous, on les prend sur le site de l'aire de spectacle pour commencer à les nourrir à la main, à leur parler. Et après, quand ils sont emplumés, on va commencer à les emmener dans l'étang. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des oiseaux qui vont à l'eau spontanément. En fait, ils le font avec leurs parents parce qu'ils suivent leurs parents. Donc nous, on va au milieu de l'étang et on commence à les faire suivre en les rappelant vers nous. Et après, progressivement, on agrandit les distances pour qu'ils soient capables, au bout de quelques semaines, de traverser l'étang complet et de venir sur scène pour rejoindre. Voilà donc notre premier pélican blanc. Hop, allez bébé.